Nous sommes toujours avec nos invités, Louis Magloa Kevayo, journaliste et écrivain, Eric Johnson, journaliste, directeur de publication de l'Union, et Horis Donkovi, activiste panafricain. On va parler maintenant du Burkina Faso. Il est le principal accusé, mais l'ancien président burkinabé, Blaise Compaoré, n'assistera pas au procès de l'assassinat de son ancien ami, l'ex-président Thomas Sankara, tué lors d'un coup d'État en 1987 et qui doit s'ouvrir lundi à Ouagadougou, la capitale de ce pays. Eric Johnson, ou bien, on donne la parole à Horis Donkovi. Horis, oui, ça n'est pas une surprise parce que Blaise Compaoré se trouve depuis quelques années en Côte d'Ivoire. Alors, ce n'est pas une surprise, mais c'est une déception. Parce que, comme je l'avais dit une fois sur ce plateau, personnellement, je ne vois pas le risque majeur à ce qu'il participe à ce procès-là. Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'histoire du Burkina, qui va secouer le Burkina sur les 20-30 dernières années. Et je pense que M. Blaise Compaoré gagnerait justement à faire ce procès-là. Parce qu'il s'agit de quelque chose d'important dans l'histoire du Burkina et dans l'histoire de l'Afrique. Après, comme je le disais, pour moi, il y a un problème. Lorsque on a des personnalités d'État qui ont la possibilité de sortir du pays et d'échapper à la justice, parce que ce n'est pas simplement le fait de devoir témoigner par rapport à ce qui s'est passé sur Sankara, c'est aussi des secrets d'État. C'est aussi, une partie de la sécurité du pays qui s'en va quelque part, un certain nombre d'informations qui deviennent disponibles pour d'autres. Et moi, je trouve que si au Kassa, justement, pour éviter un certain nombre de... pour éviter d'être le jouet de certaines tractations, a pris sur lui de revenir en Centrafrique et de subir le jugement qui a été le sien et d'accepter d'être condamné et tout ça, je me dis, mais oui, mais Blaise Compaoré peut retrouver au Burkina. Alors, il faut faire attention, au Burkina, tout le monde n'est pas Sankara. Il y a beaucoup de gens qui vont reprocher à Blaise Compaoré l'assassinat de Sankara, mais qui ne vont pas oublier un certain nombre de prises de décision. Moi, j'ai vu des Burkinabés qui étaient très émus lorsque, c'est anecdotique, mais lorsqu'il prend des appareils, il bombarde le ciel et puis ça fait pleuvoir. Ça a l'air anecdotique, mais je pense que je pense que les Mossi, c'est un peuple fier. En tant que Mossi, je pense qu'il gagnerait à retourner au Burkina. Qui gagnerait à suivre ce procès et qui gagnerait à répondre de ses actes. Même si on le condamne. Quand on parle de... OK, on suppose. Oui, il est condamné. Je ne crois pas que M. Bassolé ou M. Diendéré, ou même si Blaise Compaoré, s'il est condamné, va se retrouver dans les mêmes conditions que le petit voleur de Ouaga que l'on enferme dans une prison. C'est la prison. Oui, c'est la prison. Mais parfois il s'agit... Ce qui dérange, en fait, c'est la privation de liberté. Non, c'est tout. C'est que je pense qu'à un moment en Afrique, il faut déconstruire. Je m'explique. Lula était président du Brésil. Il a été condamné. Il a contesté les faits pour lesquels il a été condamné. Ouais. Il fait de la prison. Actuellement, on parle même de l'éventualité de son retour. Oui, c'est vrai. Donc, à un moment, il faut que les Zaïre est décrié actuellement. Donc, à un moment, il faut que les hommes politiques africains comprennent que leur passage va être marqué dans l'histoire. Et je pense que M. Blaise Compaoré devrait se poser la question de savoir comment il aimerait rentrer dans l'histoire. Peut rentrer, faire ce procès, être condamné, être en prison, revenir et recommencer, redessiner une nouvelle page. Lui, Magloa Kevayo, c'est un peu contradictoire au niveau de Johnson. Non, qu'est-ce qui est contradictoire? C'est un peu contradictoire. Hein. Entre-temps, Blaise Compaoré avait souhaité revenir au pays. On n'a pas voulu. Aujourd'hui, à cause de ce procès, les gens veulent qu'il revienne au pays. Être condamné, oui, mais attends, pour être jugé, si vous savez, le vrai souci, il parlait tout à l'heure de Lula au Brésil. Lula, son cas, c'est on parlait d'un crime économique, ce qui n'est pas évident par rapport à un crime
enfin, un assassinat politique. On parle de, quand même de Thomas Sankara, qui est très adulé hein, en Afrique et partout ailleurs. Parce que, vous savez, Thomas Sankara représente cette Afrique qui a soif de changement. Cette Afrique qui veut que la gestion du pays soit autre chose que ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, vous imaginez que Tom et Blaise Compaoré reviennent au pays et qu'on le juge et qu'on le discute totalement des faits qui lui sont reprochés. Parce que, ce qui est évident, Blaise Compaoré ne reviendra pas devant un tribunal burkinabé les mains vides. Mais il va s'entourer d'avocats et de... Si tu permets, on a un cas dans l'histoire. Oui. On a le cas de Tshisekedi. Oui. Étienne Tshisekedi oui. est impliqué dans ce qui s'est passé par rapport à Lumumba. Oui. Ça ne l'a pas empêché d'être un leader de l'opposition et oui. de reconnaître un certain nombre de ses erreurs, même si après, bon, il n'a pas été condamné. Il n'a jamais été jugé. Là, nous parlons. La différence avec Étienne Tshisekedi, c'est que, y compris le stade des martyrs, il était également impliqué dans le stade des martyrs, mais après, il a fait sa mue. Il est devenu opposant avant qu'on ouvre ces dossiers-là à la suite de la chute de Mobutu. Donc, quelque part, il s'est prémuni de cette menace-là en quittant le navire. Un peu comme ce qu'a fait l'actuel président du Burkina Faso, d'ailleurs. Oui, il a fait partie de l'équipe de Blaise Compaoré avant de devenir par la suite opposant et candidat à l'élection présidentielle. Et donc, à partir de ce moment, lorsque vous sortez du navire, vous êtes finalement adulé. Par les populations. Les populations se disent, non, mais attends, celui-là, on veut juste le condamner parce qu'il fait front aujourd'hui contre son ancien ami et chef d'État. Donc, tu vois, c'est pas les mêmes situations. Moi, ce dont nous parlons, c'est Blaise Compaoré qui est impliqué dans beaucoup d'autres choses, à part l'assassinat de Thomas Sankara. Et donc, son procès ne va pas se tenir sur une durée d'un mois, voire un an. Ça va prendre du temps. Et pendant tout ce temps, qu'est-ce qui va se passer? Tout va tourner autour de cet homme-là, parce que aujourd'hui, quand Blaise Compaoré arrive au Burkina, c'est directement la prison. Il ne va même pas passer chez lui. Non, il ira directement. Il irait directement en prison, ça c'est clair, parce qu'il lui a reproché beaucoup trop de choses. Et donc, je pense que ce qui devrait se faire, déjà, la semaine dernière, les Burkinabés ont encore montré autre chose au monde entier, et cette façon de pouvoir se mettre ensemble et de décider de l'avenir de leur pays, et surtout sur le plan sécuritaire. Et donc, à partir de ce moment, je pense que les Burkinabés pouvaient encore aller plus loin, surtout dans... Les gens ont besoin, forcément, de savoir ce qui s'est passé. Et ça, c'est pour l'histoire. Maintenant, est-ce que... Et je pense que ce procès-là va encore diviser... Il faut un procès, forcément. On est d'accord. On est d'accord là-dessus, qu'il faut un procès. Mais je pense qu'à un moment où les Burkinabés regardent dans la même direction, que ce soit l'opposition ou le parti au pouvoir, c'est aujourd'hui, ils cherchent un moyen de sécuriser d'abord leur pays avant d'aller vers leur développement. C'est très important pour eux. Et donc, je pense que, est-ce que, en ce moment, ouvrir
Ce procès-là ne va pas un peu plus retarder les choses. C'est pas incompatible. Hein. C'est-à-dire, il y a pas de contradiction dans les deux démarches. C'est-à-dire, on peut pas demander, par exemple, à un dirigeant de dire s'il est plus important de construire des hôpitaux ou d'organiser des compétitions internationales. On peut mener les deux de front. Il y a des spécialistes qui vont s'occuper de chacun. Ce n'est pas la même personne qui fait toutes les tâches. Donc, je pense que c'est compatible. Ce qui me dérange, en revanche, et quand on dit qu'en rentrant, il ira directement en prison, ce n'est pas qu'on voudrait juste le mettre en prison. C'est qu'il y a un mandat d'arrêt international qui a été lancé contre Blaise Compaoré. Il est parti en Côte d'Ivoire, sa femme est ivoirienne. Il a pris la nationalité de son épouse. La Côte d'Ivoire n'extrade pas ses ressortissants, donc il est inextradable. On ne peut pas l'extrader aujourd'hui vers le Burkina ou vers n'importe quel autre pays qui voudrait qu'il vienne témoigner. Magloire, la question ici est juste de demander à Blaise lui-même de se présenter au Burkina pour ce procès. Oui. Et une fois que j'ai dit cela, je voudrais juste rappeler qu'il n'est pas le seul prévenu qui va être entendu pendant ce procès. Il y a Gilbert Diendéré qui est déjà en prison par rapport à la question de la tentative de coup d'État. Et il y a une dizaine d'autres personnes qui sont concernées par ce procès. Donc le procès aura lieu. Mais pour la manifestation de la vérité, ne serait-ce que en utilisant les moyens modernes, comme par exemple une conversation à distance, il aurait pu participer à sa manière à la manifestation de la vérité. Il pouvait le proposer lui-même, ses avocats pouvaient le proposer. À défaut de se déplacer, il aurait pu contribuer de cette manière-là. De Yamoussoukro, où il aurait pu participer à ce procès par les moyens de télécommunications modernes dont nous disposons aujourd'hui. Donc pour moi, c'est dommage qu'il ne vienne pas dire sa part de vérité, parce que Blaise Compaoré reste quand même un témoin très important de cette période-là, au Burkina Faso, mais également dans la manière dont cela s'est organisé. Parce qu'on nous a parlé également de Kadhafi qui était impliqué, on a parlé de Félix Houphouët-Boigny, de la France. Il y a beaucoup d'acteurs qui semblent... Mais ça reste encore une zone d'ombre trop importante. Un peu comme l'assassinat de Gilles Christ Olympio ici. De Sylvanus Olympio. Autant pour moi. Donc, c'est un peu comme l'assassinat du premier président du Togo. Je voudrais demander si ça s'est passé ce matin. Il est en France. Donc, tout va bien. Sylvanus, alors. Donc, je crois qu'il est important que la vérité se manifeste et que le président Compaoré, Blaise Compaoré, doit se comporter en leader responsable, apporter sa part de vérité. On n'est pas là pour dire qu'il doit finir en prison. L'idée n'est pas là. L'idée, c'est que la vérité soit manifestée. La personne qui est décédée était son ami et c'est un leader qui reste aujourd'hui, plus de 30 ans après sa mort, très important dans le cœur des Africains et des personnes qui s'intéressent à la vie politique de l'Afrique. Donc, pour moi, il doit dire sa part de vérité. À chaque fois que dans un pays, notamment africain, on a voulu faire l'impasse sur la manifestation de la vérité, ça a gangréné. Lorsque vous voyez par exemple pour le Congo, dans le cas de Lumumba, quand vous voyez Laurent Désiré Kabila, il était déjà là à l'époque. Il fait partie des forces lumumbistes qui vont envahir une partie du Congo. Vous voyez au niveau du Togo, avec Sylvanus Olympio, ça a été la même chose. On a eu des manifestations, des attaques, des frictions, des divisions entre populations, des divisions ethniques, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de manifestation de la vérité. Les gens, ne serait-ce que je vais donner un exemple, une anecdote banale, ce n'est que des dizaines d'années plus tard que certains ont su que, ah oui, mais au fait, il y a du sang Moba. Alors que pendant des années, on disait aux gens, mais non, mais oui, il faut faire des frictions nord-sud. Et à chaque fois en Afrique, ça a été cela. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a fait l'impasse, vous allez au niveau de la Guinée-Bissau, l'assassinat de Amilcar Cabral, et ainsi de suite, vous avez toujours quelque chose de conflictuel lorsque l'on fait l'impasse sur l'assassinat d'un leader. Donc, pour vider l'abcès, justement, il faut cette manifestation de la vérité, quitte après à voir dans quelle mesure on peut faire une certaine impasse sur les peines ou ainsi de suite. Ça, c'est un autre débat. Mais il est important pour qu'on n'ait pas ce phénomène de friction redondante, que tout soit vraiment... Oui, soit... Alors, quand lorsqu'on parle du procès Sankara, attention, on parle du procès Sankara. Sankara, lui, est une personne charismatique. Mais cela ne veut pas dire que, on le voit justement à travers ce qui s'est passé, qu'il n'avait pas de contestation. Donc toute cette manifestation de la vérité doit participer à la construction du Burkina,
et à la construction même de l'Afrique, parce qu'il reste une personnalité importante pour le continent africain. Il est repris, il est cité, il est étudié. Bon, je me dis tout simplement, je me dis tout simplement que ça peut se faire aussi autrement. Je parlais par exemple du président Hollande qui a écrit et les leçons du pouvoir. Je pense que Blaise aussi, à travers, s'il veut réellement que l'on connaisse cette histoire, peut aussi écrire. Et, mais maintenant, si nous revenons dans le contexte burkinabé, je pense que les gens ont besoin de vérité. Et il faut trouver un autre moyen que l'extradition de Campaoré vers le Burkina. On marque la petite pause et on revient après.